Fonfon Tibot, nous Paris, nous sommes ensemble dans l'avion, nous sommes venus dans le concert Karimian. Ou t'es là samedi dans Aqua Arena, ou vivre moment tragique qui passe. Ou c'est Tabou Combo. Tabou Combo, c'est le couvert de la scène internationale pour la musique haïtienne. Non? Qui j'en te sens tout samedi et qui s'en pour dire aujourd'hui? Bon, faut me dire que je devine à Paris justement pour me faire un spectacle ça. Pour me faire un petit garçon mieux, et jeune garçon qui est élevé dans le rouage Tabou Combo. Quand ils font un concert exceptionnel dans Aqua Arena. Il me paraît attendant, tout va bien commencer, et belle scène, belle présentation, belle entrée en scène, et tout était au point, le son était fulgurant, bel concert, chargé à monde, tout va ça y est. Et puis, bon, après, entraque là, et Mika Benvini, il a chanté, et puis m'a dit tête mais Mika Ben son artiste complet, Mika Ben son on belle voix, Mika Ben enveloppé toute salle là avec voix li et on artiste comme ça me pense que monsieur t'a supposé gain groupe pali a performé dans groupe pali même j'avais avec ti monsieur a performé dans groupe pali. Il m'a fait compliment pour monsieur et puis après monsieur vient performer là descend il pral aller et puis moi monsieur tombé me dit oh et va Mika tombé et puis bah c'est que puis monsieur était accroché dans fil on va consommer monsieur frappé dans bagaille mais c'est après le mois et Michael Guirand avec Richard Cave par devant scène là il demandé pour nous prier toute bagaille ça pour nous parce que ça ouais derrière pas bon et que il a discontinué concert me dit ah ça son bagaille grave waouh et puis me dit qu'est-ce mal en dedans parce que me dit non loge mal pas la à Saint-Mimi en dedans me dit ah comment est grave qu'a passé là oui après ça tout le monde commence à sortir moi salle la vine vide le salle la vine vide moi même descend en bas moi Michael Guirand sous déjà moi dit monsieur ça passé là qui j'ai Michael mal gardé des scènes là moi sans apparemment il t'a fait une opération derrière pour essayer si ça et réanimer tout bah ça ça n'a pas marché mais faut me dire que waouh c'est la première fois depuis l'année prochaine tabou qu'on va avoir 55 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Son m'a pas jamais moins dans vie moi. Et j'étais très étonné de sa crivé là, pas jamais le m'a pour Mika chanter, m'a pas monsieur aucun signe de malaise, m'a pas rien monsieur dit que était le combé, comme dans son sac patate qui tombé. Et faut me dire nous que bon, ça arrive mais ça m'a tiré de leçon ça c'est que et Karim ils font belle bagarre dans Accor Arena et tous les gens qui sont venus son paquet de jeunes qui sont dans la province, qui sont à Paris, et puis dans les conditions difficiles, pas de gaz, inflation, le jeune corps est venu pour assister à un concert extraordinaire. Et même dit que son concert historique de Negro Fera, son bar est très, très historique dans le sens que il a montré communauté haïtienne, non, même pas la communauté haïtienne, mais communauté antillaise là, au moins pour affirmer culture. Au moins, pour affirmer tête, yo. Moun qui devine ou la carimie, yo. Non seulement, yo te vine prendre plaisir, yo. Mais, yo te vine montrer le monde entier, que yo ont culture, que yo ont musique, que yo ont bah, qui est attaché à yo. Donc, m'souhaiter, n'est-ce que bonne chance, et avant de terminer, m'd'arrêmer, et souhaiter, papa Mika avec maman, et sincère condoléances à toute madame, ni à toute petite, li. Et, vous savez, la vie, c'est qu'on s'allie, ou pas qu'à, ou pas aucun contrôle sur la vie, ou aucun contrôle sur ce qui va arriver dans le futur. Mais j'espère que l'image de Mika et le souvenir de Mika restera gravé dans la mémoire des Haïtiens. Mika est mort héros national avec drapeau haïtien sous coude. Merci beaucoup. Merci.